Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France en Tunisie, Mesdames et Messieurs, chefs d'entreprise, chers et honorables invités venus d'ailleurs et d'ici, nous nous faisons un plaisir de vous accueillir dans cet espace privilégié et symbolique qu'est le siège de l'UTICA. Et ce, afin de faire de cette première édition de l'International Business Forum, l'IBF, une tradition qui tiendra ses promesses et se reproduira de manière cyclique tous les ans. L'objectif de notre rencontre est de partager nos expériences, nos succès, nos défis, nos réseaux, afin d'avancer d'un pas plus sûr, plus confirmé, plus rapide, sur le chemin de la prospérité et de la relance économique. La nouveauté est de créer un pôle ou un hub de partenaires dans une collaboration africo-africaine, car à nous seuls, nous en avons les moyens et vos interventions respectives le prouveront. Je voudrais à cette occasion saluer la présence d'une importante délégation venue spécialement de la Côte d'Ivoire pour partager avec nous nos expériences mutuelles. Comme je viens de l'annoncer, l'IBF est une première édition d'une plateforme économique dédiée aux entrepreneurs tunisiens. Son objectif est de réunir des CIO d'horizons multiples et de leur offrir des opportunités de partenariat avec des entreprises étrangères. Cette plateforme est une opportunité pour notre chère Tunisie et nous espérons que cette expérience se renouvellera. Armé de cet engagement, je cède la parole à Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France en Tunisie.